Allez, c'est pas très grave, je vais vous interpréter Jean-Jacques Goldman comme un tour. Elle avait les yeux clairs et la robe au velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui leur répond à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui l'entouraient. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas. Comme toi que l'arrivo à quoi. Comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. Allez, solo violon! Elle s'appelait Sarah, n'avait pas 8 ans, avait cette douceur et les nuages. Mais l'autre Jean l'avait décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille, son histoire est très simple. Mais n'est pas née comme toi ici maintenant. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en ribbon à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Non, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.